着の地を焦がす寡黙な炎、おびき寄せられた神々の化身、恐れを知らぬ剣が貫く。目指す場所とはまだ見ぬ定め、近づいてくる決戦の時、打つべきピリオドはスタープタッチダウン。始まってしまった物語に奪われたままの時に、今終わりを告げるため歩き続けるクルセイダー。空白のラストページにその拳を叩き込め。End of the world。 その地の記憶。オラ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 。雨のようなエメラルド砂漠に降れば、クシャナモビ勇者見せる神器の闇の気配を波紋の茨。復活のため選ばぬ手段、無垢な生き地を求めさまよう。Hey, salut les amis, c'est Pegajinka, bienvenue dans cette conclusion du Big Battle numéro 12 qui opposait Gladiator Bahamut ou Bahamidia SP230GF à Flame Bixis 230WD. Deux toupies extrêmement grandes, mais au rôle assez différent. Alors oui, de base, oui, j'apparais sous ma forme dessin pour faire cette conclusion parce que c'est plus pratique et plus rapide à faire au montage. En fait, non, mais... Épisode 12 des Bay Battle, alors vous m'excuserez, il a mis un peu de temps à arriver parce que il y avait une petite baisse de motivation, on va pas se mentir, puis j'avais envie d'apporter 2-3 concepts innovants, mais c'est reparti. Donc, ce Bay Battle opposait donc Gladiator Bahamut à Flamebixis, une toupie qui était donc faite pour l'attaque et la défense, mais qui justement... impactait grandement sur son endurance, donc Bahamut. Et pour Flamebixis, on avait une toupie à la défense et à l'endurance plutôt élevée, en plus de sa hauteur. Du coup, conclusion de ce Bay Battle, c'est Flamebixis qui a gagné. On a pu voir plusieurs comportements différents de la partie de toupie. C'est ça que j'ai trouvé cool. On a vu que l'endurance de Bixis lui donnait un énorme avantage par rapport à Bahamut, notamment quand cette dernière, quand Flamebixis arrivait à esquiver Bahamut. En général, c'était plutôt fini parce que cette dernière avait trop peu d'endurance pour continuer la bataille. Mais on a vu aussi que Bahamut avait un potentiel d'attaque très 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 élevé. Et que même avec des petits coups, elle arrivait à Stadium Out Playing Big 6 et donc arrivait à win un round. Et franchement, bravo à elle, s'est très bien battue. Mais dans tous les cas, c'était un big battle très très intéressant. Il y a aussi 2-3 esquives de la part de Bixis qui étaient très bien joués grâce à sa hauteur et aussi grâce au mouvement irrégulier de Bahamut. Mais sinon, à part ça, ouais, il y a eu beaucoup d'attaques de Bahamut qui étaient très efficaces, je trouve, notamment lors du troisième round, je crois. Mais oui, voilà, forcément, l'endurance de Bixis l'a emporté et je pense aussi un peu sa défense, mais grandement son endurance. Donc voilà, c'était un B-Battle assez court. J'ai pas d'autres conclusions à faire, mais au final, Flamebixis a gagné parce que cette dernière avait une endurance plus que favorable à la situation. Toujours est-il que je pense que si Bahamut avait eu 2-3 lancers en sa faveur, il aurait pu facilement gagner ce match. Mais bon, voilà, le résultat du match en a été ainsi. C'est français, ça. Bon, voilà, dans tous les cas, j'espère que le battle vous a plu et que la conclusion aussi. Proposez-moi des Bay Battle en commentaire. Dites-moi quelle toupie vous aimeriez voir contre quelle autre toupie. Je serais ravi de vous satisfaire. Sinon, rejoignez Beyblade Espace, notre site de Beyblade francophone. Vous y trouverez des news, des tests de toupies, plein de trucs sur le forum. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Puis sinon, voilà. Moi, je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Donc, salut les gens.